Tu as trouvé quelque chose ? Un mémoria. Mais de qui ? Voleur et assassin, tous autant que vous êtes. Un dernier mot pour ta défense. Que veux-tu que je te dise? Ceux-là n'ont eu que ce qu'ils méritaient. À compter sur les autres. Faites gaffe aussi, vous deux. Les histoires de duos soudés. Ça ne dure jamais bien longtemps. Quand on se retrouve avec un couteau planté dans le dos, on se dit qu'on aurait dû frapper le premier. Mais c'est trop tard. Vous n'y couperez pas. J'ai pas la moindre envie de prier pour ces types-là. Le seul héros parmi nous, c'est toi. Foutue guerre des Memoria. J'espère vraiment qu'on trouvera un moyen d'en finir le plus vite possible. Merci, je préfère ne pas imaginer ce qui nous serait arrivé si vous les aviez pas arrêtés. Cette fille, je crois qu'elle combat les manieurs de Memoria malfaisants, comme vous. Intéressant, non? C'est peut-être l'occasion d'agrandir notre équipe. Non, merci. Je ne suis pas naïve au point de suivre des inconnus. Surtout quand l'un d'eux dissimule son visage sous un casque noir douteux. Sur ce, je vais reprendre ma route. Adieu. Il faut croire que partager le même combat ne suffit pas. Peut-être que, comme tu dis, c'est l'époque qui veut ça. T'en fais pas. Tant qu'on est ensemble, toi et moi, tout ira bien. D'ailleurs, rien ne dit qu'on aurait été plus efficace en trio. Bon, on en a fini avec notre mission dans cette région. Puisque le roi nous a ordonné de rentrer au pays dès que possible, je pense que c'est le moment de plier bagages. En route pour Baron. Tu as encore eu une vision du passé ?
Vraiment? J'étais là? J'en déduis qu'il s'agit des deux soldats que j'ai rencontrés dans ce village. Mais alors, ce Memoria... C'est donc vous qui osez vous opposer à ma guerre sacrée depuis votre monde. Tranquille. On se serait rencontrés autrefois. C'est déjà rare qu'un humain ayant une part de ténèbres garde son apparence, mais de là à se souvenir de son passé... remarquable. Dis-moi, tu es bien la manieuse de Memoria qui a vaincu mes généraux, n'est-ce pas? Peut-être. Et alors? Tu es de ce monde, toi aussi. Rejoins-moi dans ma guerre sacrée, pour le salut de ton âme. Que je me range à tes côtés? Dis plutôt que tu commences à manquer de pions pour tes manigances. Ce n'est pas moi que tu veux, c'est mon pouvoir. Et si j'acceptais, je finirais tôt ou tard comme cette dragonne dont tu as fait ton esclave. Assez de ces relations de pur intérêt. Mon seul combat, je le mène pour ceux à qui la confiance m'unit. Mes amis. Je vois. Dommage pour toi. Vous êtes venu pour cette dragonne, je présume. Quand j'ai entendu parler de vous, j'ai d'abord ordonné à mes généraux de vous éliminer pour éviter que vous n'entraviez mes plans. Mais puisque vous m'avez fait l'honneur de venir jusqu'ici... l'occasion est trop belle pour ne pas en profiter. Une éternité s'est écoulée depuis que j'ai fait mienne cette dragonne. Et alors qu'elle arrive au bout de ses forces, voilà que vous faites votre apparition. Il va sans dire que votre venue a eu pour effet de faire renaître l'espoir en elle. Elle désire plus que tout rentrer dans son monde parmi les siens. C'est là que se trouve la clé pour accomplir l'ultime salut. Les terres de ténèbres est en train de la ronger. Elle va se transformer en créature du néant. Magnifique! Plie-toi à mes ordres, Dragon Obscur! Tue-le.
Amusez-vous avec ces pitoyables humains. Avant que ce monde ne soit englouti par les ténèbres, j'ai consacré ma vie à combattre dans une guerre sans fin. C'est pourquoi, à l'instant où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai compris. Ici, outre le dragon, c'est toi mon ennemi la plus dangereuse. Je ne retiendrai pas mes coups pour t'éliminer. En garde, combattante d'un autre monde! Je vais vous réduire en poussière.
salut de ce monde. Sentez la glace sur ma lame. Personne ne me barrera la route. Voici la preuve que votre puissance n'est rien. Explosez en mille morceaux. Va et dévore leurs entrailles.
dragons obscurs. Soumets-toi à ma volonté. Qu'une pluie d'astres vous pulvérise. Sentez la glace sur ma lame. Je vais vous réduire en poussière. Dragon obscur, n'aie aucune pitié. Renforce-toi, météore. C'est donc ici que tout s'arrête. Tout va bien ? Vous avez entendu ça ? Nous voilà enfin au moment de l'apothéose.
Malgré ma défaite, j'ai réussi à vous tenir éloigné des profondeurs du cratère. L'issue de ma guerre sacrée ne fait plus aucun doute. Une gigantesque incarnation des ténèbres sommeillait au fond de ce cratère, mais elle vient de disparaître. Seulement, dans notre monde, l'éther n'a nul endroit où retourner. Tout être qui s'éteint renaît en créature du néant, sans exception. Dévore cette dragonne! Et avec elle, son vœu ardent de retrouver sa terre natale. Votre ami exilé ne fera bientôt qu'un avec les ténèbres. Ensemble, ils donneront naissance à un être transcendant les mondes. À toi qui guidera les âmes du néant au cycle de la vie dont elles ont toujours été exclues, j'offre le nom de notre héros des temps anciens. Viens au monde, Zeromus! Peu importe sa taille, je dois pouvoir le transformer en Memoria. Ce monstre est né de l'éther de Zordiark. Nos écailles garde-âme risquent de ne pas faire le poids.